des Vikings, c'est qu'on est un band de rock et qu'il y a des artistes invités qui viennent chanter des tunes de rock. Et c'est souvent du contre-emploi qu'on leur demande de faire. C'est de prendre un chanteur et de faire chanter une tune que tu ne verras jamais chanter cette tune-là en temps normal et que le monde font comme « Ah, wow, il devrait tout le temps chanter ça. » Je te donne un exemple. Eva Avila, chanteuse de pop, qu'on connaît pour son style un peu rhythm and blues, qui chante Run to the Hill d'Iron Maiden. De voir Andréanne Leclerc chanter The Great Gig in the Sky de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ou Since I've Been Loving You de Led Zeppelin. C'est que là, les fans de rock, ils viennent de connecter avec moi. Là. On va un peu dans le B-side des tunes un peu plus épiques qui ont créé la légende des groupes. C'est que t'as des jeunes comme Andréanne Leclerc, que j'ai nommé Jason Guéret. Il y a un comédien, Jason Roy Léveillé, qui est le Guy Lambert national de l'Anse-et-Comte, qui chante vraiment, mais vraiment bien. Mais t'as Marjo, qui va venir évidemment chanter du Marjo, parce que Marjo, c'est du classic rock. Ça fait que quand t'as la légende qui est capable de venir défendre ses chansons, bien là, évidemment, pour nous autres, c'est du super plaisir. Mais aussi, on a Wilfred Leboutillier, on a Caroline Darcy-Paquet, Martin Giroux et moi-même. Quasiment 10 chanteurs. Ça fait que ça commence avec un power hit, puis ça finit avec des power hits avec lesquels le monde sont essoufflés, ils ont un bras dans les airs d'un bout à l'autre. C'est essoufflant, un show de Vikings.